sûrement différente de la vôtre, puisque lundi, nous nous apprêtons à accueillir à nouveau tous les élèves dans nos écoles. Donc, nous avons en ce moment pas mal de travail autour des organisations d'école pour accueillir nos élèves de la petite section au CM2 lundi prochain. Voilà. Alors, pour en revenir à ce que nous avions vu la dernière fois, je vous propose de nous rafraîchir un peu la mémoire parce que vous avez peut-être fait plein de choses depuis ce moment-là. La dernière fois, je vous avais un peu parlé de mon parcours et de ce qui m'avait amené à m'intéresser aux situations problèmes. Et je vous avais évoqué notamment le fait que j'avais rencontré des situations qui résistaient, entre guillemets, à l'autonomie des enfants et que pendant plusieurs années, je ne comprenais pas pourquoi ces situations résistaient. Donc, je vous avais présenté la situation des petites bouteilles d'eau pour que les enfants puissent s'hydrater en autonomie. Je vous avais présenté la situation typique d'une fiche où on demandait à nos élèves de dénombrer des collections d'objets et que malgré la connaissance de la comptine numérique, du pointage qui associait la comptine et l'objet, il y avait des choses souterraines qui bloquaient encore certains enfants. Donc j'étais partie de ces quelques exemples pour vous faire découvrir un premier rapport de théoricien autour de trois points. Donc j'avais parlé du principe d'énumération, c'est-à-dire la capacité à traiter une fois et une seule tous les éléments d'une collection. Je vous avais parlé du principe de mémorisation, c'est-à-dire que c'est pour énumérer tous les objets, il faut se rappeler de ceux que nous avons déjà traités et ceux que nous n'avons pas encore traités. Donc il y a un problème de mise en mémoire là. Et puis, pour le coup, je vous avais aussi parlé d'un troisième principe qui était la planification. Comment est-ce que, avant de se lancer dans l'action, on pouvait essayer d'arrêter un petit peu l'enfant pour essayer de lui faire verbaliser la façon dont il pensait s'y prendre. Voilà. Ensuite, je vous Ah oui, avais merci. proposé une situation qui s'appelle les jetons de couleur que vous avez sous les yeux, que j'avais proposé à des élèves de petite et moyenne section. On avait échangé sur le fait que ça pouvait paraître facile, notamment la situation numéro une avec un tri de deux couleurs. Mais j'avais aussi expliqué pourquoi délibérément j'avais choisi de commencer par quelque chose d'aussi facile, mais que très très vite sur la situation numéro 2 et numéro 3, le problème de mise en mémoire de l'endroit où on mettait chaque couleur allait vraiment poser difficulté, mais pour le coup susciter réflexion. Alors, aujourd'hui, je voudrais. Inès, tu fais caca? Quand je m'arrête de temps en temps, c'est qu'il y a une petite voix parasite qui est sur la ligne. Aujourd'hui, je voulais aborder une deuxième expérimentation que j'ai menée en classe de petite, moyenne et grande section qui s'appelle le jeu des boîtes d'allumettes. Donc, je n'ai pas du tout inventé cette situation. Elle est vraiment proposée par le recueil de situations de Joël Briand dont je vous avais parlé. Et alors, cette situation, elle est vraiment centrée sur la capacité à énumérer. Donc, vous avez là une photo qui vous permet de comprendre l'enjeu. Donc, là, le seul matériel que j'ai dû acheter, ce sont des boîtes d'allumettes vierges de toute inscription et évidemment vides. Donc, vous en trouvez par paquet de 200 sur des sites de commercialisation en ligne facilement. Ça coûte très peu cher. Et donc l'idée, c'est sur chaque boîte d'allumettes de créer une petite ouverture. Donc moi, j'ai utilisé
Je ne sais pas si on dit une perforeuse ou une perforatrice. Allez, une perforeuse. Faire un petit trou sur l'une des faces de la boîte d'allumettes. Et pour le coup, l'idée, c'est de demander aux élèves, sans ouvrir les boîtes, de réussir à trouver une stratégie pour que dans chaque boîte, il y ait un tout petit bout de paille qui soit à l'intérieur et un seul. Donc, sur la photo, en fait, vous voyez une quinzaine de boîtes d'allumettes vides. Et puis, dans la boîte en plastique, vous voyez plein de petits morceaux de paille en plastique coupés qui rentrent facilement dans l'orifice de chaque boîte d'allumettes. Est-ce que Julie, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît ? Bien sûr. Voilà. Donc ici, vous avez la photo qui se trouve en haut à droite, qui vous présente le matériel tel que je l'ai présenté à des élèves de grande section pour commencer. Donc, j'ai décidé, dans une boîte en plastique, de mélanger à la fois plein de petits bouts de paille que vous ne voyez pas bien parce qu'ils sont tout au fond de la boîte, et par-dessus, j'ai mis une quinzaine de boîtes d'allumettes vides. Et c'est à eux de trouver des stratégies pour qu'à la fin de l'activité, ils soient certains que chaque boîte d'allumettes comporte un morceau de paille et un seul. Autant vous dire que cette activité d'emblée, elle est réussie, on va dire, par assez peu d'enfants. Là, je me trouvais en grande section à l'automne, donc après, on va dire, 2 ou 3 mois de scolarisation en grande section. Je pense que j'étais avec des élèves qui n'étaient pas très habitués à être confrontés à des situations problèmes de ce type. Donc, ma proposition les a un peu surpris, je pense. Et surtout, je crois qu'ils n'étaient pas habitués à avoir des situations problèmes qui ne n'impliquaient pas immédiatement un chemin particulier de résolution. Puisque là, on va le voir un peu plus tard, il y a plein de façons différentes de s'y prendre. Ensuite, une deuxième photo où vous voyez ces mêmes boîtes. Cette fois-ci, ces boîtes sont collées sur un support en bois. Donc, c'est vraiment de la récupération. C'est un support de boîtes à fromage que j'ai récupéré chez un commerçant. Et cette fois-ci, la grande différence, c'est que comme les boîtes sont collées, les élèves ne pourront pas utiliser les mêmes stratégies de résolution que sur la photo précédente quand vous voyez les boîtes qui sont déplaçables. Donc, j'ai passé plusieurs jours dans cette classe avec des élèves de moyenne section à leur proposer en fait une série de défis en utilisant le matériel de base, boîte d'allumettes et morceaux de paille, de façon différente. Et je vais vous présenter après les différentes contraintes que j'ai choisi de faire évoluer au cours de mes séances. Alors, pour réfléchir à la façon de présenter ces situations problèmes, j'ai fait appel à un autre didacticien que vous connaissez au moins de nom, qui s'appelle Philippe Mérieux. Et Philippe Mérieux, il m'a beaucoup aidé avec ses quelques articles sur le sujet à comprendre un peu différemment les enjeux d'une situation problème. Donc, sur la diapositive suivante, Julie. Voilà. Alors, excusez-moi, je déplace une fenêtre sur mon écran pour être sûr que vous voyez bien. Donc, Philippe Mérieux, il m'a d'abord éclairé sur le fait que moi, j'avais tendance à opposer les pédagogies dites passives, des pédagogies type actives.
En fait, traditionnellement, pour être un peu simpliste, hein, on a peut-être à un moment donné de notre histoire voulu gagner du temps sur la progressivité des apprentissages en imaginant un enseignement très descendant. Donc, pour caricaturer, on a un groupe en face de soi. Et puis, l'enseignant a des enjeux d'apprentissage ou plutôt de connaissances. Et en fait, il les explique sans du tout relier ses connaissances à du contexte pratique ou à des situations problèmes du quotidien de l'enfant. Donc, en fait, c'est ce que Philippe Mérieux appelle la pédagogie de l'explication. L'enseignant explique. Les enfants reçoivent. Et Mérieux dit que, en fait, cette pédagogie de l'explication, elle peut marcher, mais elle marche seulement à une condition, c'est que l'élève qui va recevoir des explications, il est capable par lui-même d'imaginer des situations de sa vie quotidienne dans lesquelles ses explications ou ses connaissances pourraient le servir. Donc, pour le dire autrement, Philippe Mérieux dit que la pédagogie de l'explication, elle fonctionne si l'enfant par lui-même, il est capable d'imaginer des situations problèmes. Et puis, Philippe Mérieux nous met aussi en garde contre le miracle des pédagogies dites actives, qui consisterait à ne donner que des situations problèmes à nos élèves. Et en se disant, bah, puisqu'on confronte nos élèves à des situations problèmes, forcément, ils vont devoir mobiliser des connaissances ou des stratégies pour les résoudre. Et Philippe Mérieux nous dit que, bah, certes, une situation problème peut aider à construire des apprentissages, mais elle est aussi source d'évitement cognitif important chez nos élèves. Et Célestin Freinet avait très bien perçu cette problématique quand il souhaitait bah, fonctionner en pédagogie de projet avec ses élèves. Il s'était aperçu que lorsqu'il voulait fédérer un groupe d'élèves autour d'un projet incarné dans la vie de classe, dans la vie quotidienne, il a tout de suite repéré que les élèves se spécialisaient. Et qu'un élève qui était parfois très à l'aise, on va dire, sur le plan numérique, tout de suite, dans ce projet, il allait prendre en charge parfois l'aspect numérique du projet, parce que ça le mettait lui en sécurité, et puis aussi parce que les autres élèves qui étaient peu à l'aise dans ce domaine-là étaient sécurisés parce qu'ils n'allaient pas se confronter eux-mêmes à leur besoin de franchir des étapes d'apprentissage. Donc, Mérieux revient aussi sur la pédagogie Freinet, non pas pour dire que elle n'était pas opérante ou pas bonne pour les élèves, mais il nous dit que si en fait on veut utiliser des situations problèmes ou de la pédagogie de projet, il faut absolument qu'on réfléchisse, nous, en tant qu'enseignants, aux évitements que les élèves vont faire malgré nous pour en fait choisir la solution la moins coûteuse pour eux afin d'aller au bout du projet. Voilà. Donc il y a beaucoup d'évitements d'apprentissage et d'évitements cognitifs sur des projets ou sur des situations problèmes si nous, en tant qu'enseignants, on n'y prend pas garde. Sur la diapositive du coup suivante, je vous présente, alors ça va peut-être vous paraître un peu obscur au départ, mais pour moi ça a été très 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 aidant de construire mes situations problèmes au regard de ce petit schéma qui est proposé par Philippe Mérieux. Donc, tout en haut, vous retrouvez la photo de ma situation des boîtes d'allumettes, et puis dessous, je vais essayer de vous expliquer très rapidement et simplement le schéma.
au regard de la situation des boîtes d'allumettes. Donc Philippe Mérieux nous dit que d'emblée, il faut que nous, enseignants ou éducateurs, on soit conscient que l'enfant, il n'est pas du tout focalisé sur la même chose que nous quand il est confronté à un défi ou à une situation problème posée par un adulte. L'enfant, lui, il met toute son attention et toute son énergie sur « j'ai réussi » ou « j'ai pas réussi ». Donc, lui, l'enfant, il focalise son regard sur la tâche, en fait, sur le résultat de ses actions. Alors que nous, enseignants, ce qui nous importe le plus, ce n'est pas tellement que le défi soit réussi ou pas réussi. Ce qui nous importe le plus, c'est de nous intéresser au cheminement qu'utilise l'enfant et du coup, ce qui va mobiliser comme apprentissage dans ce cheminement. Donc, Philippe Mérieux nous dit, d'abord, il faut que vous ayez conscience de cette différence de regard qu'il y a entre vous et l'enfant. Une fois qu'on a conscience de ça, Philippe Mérieux, en fait, nous invite à chaque fois qu'on veut créer une situation problème d'apprentissage, il nous invite à réfléchir à quel obstacle ou quelle contrainte on va mettre dans la situation et en même temps, quelles ressources on va permettre à l'enfant de mobiliser. Et que c'est dans cet équilibre très fin entre les contraintes et les ressources que va se nicher l'objectif d'apprentissage que l'on vise avec nos élèves. Donc, par exemple, pour les boîtes d'allumettes, moi, ce que je visais comme apprentissage, c'est faire réfléchir mes élèves à comment on peut se rappeler des boîtes d'allumettes dans lesquelles on a déjà mis un morceau de paille, de celles qu'on n'a pas encore traitées. Et puis, comme il faut se rappeler des boîtes d'allumettes dans lesquelles on a déjà mis un morceau de paille, eh bien, ça va nous éviter d'en mettre un deuxième et de traiter deux fois la même boîte. Bon. Donc, pour le coup, d'emblée, quand je vais leur faire découvrir la situation problème, je vais leur dire ce que je cherche à ce qu'ils apprennent. Pas très français la façon dont je viens de le dire. En fait, d'emblée, je leur dis ce qu'on va chercher à apprendre en essayant de réussir ce défi-là. Et même s'ils ne l'entendent pas au départ, qu'on va travailler sur la mémoire, très très vite, après leurs premiers essais, en leur redisant, ils comprennent que l'enjeu principal, c'est de se rappeler de quelque chose, de quelques informations. Et que si on ne trouve pas le moyen de se rappeler, eh bien, on risque de ne pas réussir le défi. Ou alors, si on le réussit, c'est vraiment lié au hasard et à la chance. Donc, du coup, j'espère que je suis à peu près claire, mais n'hésitez pas à poser des questions et puis Julie va me les relayer. Une fois que j'ai découvert le schéma de Philippe Mérieux, je me suis dit, puisque moi je veux qu'il garde la mémoire des boîtes traitées de celles qui ne le sont pas, quelles contraintes je leur donne et quelles ressources je leur donne. Donc ça, c'est ce que vous voyez tout en bas du schéma. Toute situation problème a son système de contraintes et son système de ressources. Donc par rapport aux deux photos que vous voyez, mes contraintes, c'était une grande collection de boîtes. Peut-être même une collection qui dépasse leur capacité à compter pour le moment. Parce que je voulais au départ qu'ils puissent réussir le défi sans forcément utiliser le nombre et les quantités. Et puis, je me suis interrogée sur comment leur présenter ces boîtes-là. Est-ce que ces boîtes, au départ, elles peuvent être déplaçables?
Est-ce que ces boîtes, il fallait qu'elles soient fixes et collées sur un support? Est-ce que les boîtes et les pailles devaient être dans la même boîte ou le même récipient? Est-ce qu'au contraire, il vaut mieux mettre les pailles dans un récipient et puis les boîtes dans un autre récipient? Est-ce que les boîtes, elles sont directement renversées sur une table et les pailles sont dans un petit récipient? Enfin voilà, c'est au départ, j'essaye d'imaginer toutes les formes différentes de présentation que j'envisage et après, je fais des choix pour essayer de caler les ressources et les contraintes. Donc, évidemment, ça serait trop facile que le nombre de pailles corresponde au nombre d'allumettes. J'ai fait exprès, alors ça c'est un autre paramètre, je ne l'ai pas dit, j'ai fait exprès que les deux collections ne soient pas équipotentes. Je voulais déséquilibrer le nombre d'objets de chacune des deux collections. Ensuite, en système de ressources, moi, ce qui m'intéressait au départ, c'est de me dire, je pense que ça va être aidant pour eux de pouvoir déplacer des boîtes. Parce que j'étais dans l'hypothèse que une fois qu'on a mis une paille dans une boîte, cette boîte, on pouvait éventuellement la déplacer sur la table dans un coin ou sur un côté. Et c'est le fait de la mettre dans un espace particulier qui allait nous aider à nous rappeler que cette boîte-ci qui était dans le coin de la table, je m'en étais déjà occupée. Voilà. Évidemment, il y a peut-être quelque chose que je ne vous ai pas dit et qui est essentiel, c'est qu'à aucun moment pendant le défi, on a le droit de faire coulisser le tiroir de la boîte d'allumettes pour regarder si, oui ou non, on a déjà mis quelque chose dedans. Ça, c'est une contrainte forte au départ. Donc, cette règle fait partie de mon système de contraintes. Voilà. On ouvrira les boîtes à la fin pour vérifier que on a réussi ou non le défi. On ouvrira les boîtes que quand l'enfant me dira, ça y est, je pense que j'ai terminé le défi. Maintenant, on peut vérifier. Et puis, je me suis aussi interrogée sur le fait que il y a peut-être des enfants qui allaient découvrir que si on secouait la boîte, ça allait nous donner de l'information sur le fait qu'il y ait quelque chose dedans déjà ou qu'il n'y ait rien. Donc je me suis dit, ben ouais, ça me semble être intéressant parce que c'est une façon de nouvelle de traiter l'information qui peut venir combler le déficit de mise en mémoire de ce qu'on a traité ou pas traité. Donc ça, je me suis dit, je vais l'accepter. Et puis, je me suis aussi dit, bah, si un enfant me demande des feuilles et un crayon, eh bien, je vais leur rendre accessible. Je vais aussi leur dire qu'ils peuvent les utiliser. Parce qu'à plus long terme, moi, je sais que en fin de grande section, quand ils ont plein d'objets de dessiner sur une feuille et qu'on leur demande de dire combien il y a d'objets de dessiner sur une feuille, c'est une stratégie intéressante à chaque fois que l'on compte un objet de faire une petite marque avec son crayon pour se rappeler que celui-là, on l'a déjà traité. Donc, comme j'ai cette visée un peu à long terme de comment utiliser une trace pour garder la mémoire d'eux, d'emblée, je m'étais dit, je vais mettre à leur disposition des feuilles et des crayons si jamais ils souhaitent les utiliser. Avant d'aller un peu plus loin, voilà, si jamais Julie, tu as des questions à me relayer. En fait, tu as répondu aux questions, les questions qui sont arrivées étaient de savoir si les collections étaient équipotentes, mais tu as répondu quasiment quelques secondes après qu'elles soient tombées. Ensuite, on te demandait si Sarah te demandait si cet objectif, si tu avais donné l'objectif aux élèves de ce que tu recherchais à faire avec eux et où est-ce que tu souhaitais les amener, mais tu y as répondu aussi juste quelques secondes et c'est tu sens les questions, je pense, ou tu les vois, je ne sais pas. Alors, j'ai vu celle de la collection équipotente, mais je ne les vois pas forcément toutes. Hein.
Je suis pas trop. C'est dur d'être multitâche dans ce type de présentation. Alors, je me permets de continuer, puis on reviendra sur des questions après, si tu veux bien passer à la diapositive suivante. Alors, vous voyez, en fait, cette photo, je vous l'ai mise parce que j'avais imaginé toutes ces possibilités-là de différentes. De présente, pour présenter ma situation problème. Donc, la photo en haut à gauche, ben c'est la situation que j'ai choisie pour commencer. Mais peut-être qu'à un autre stade de l'année, j'aurais peut-être utilisé plutôt la photo de dessous où les boîtes d'allumettes sont collées un peu aléatoirement. Sur un support en bois, ou peut-être que j'aurais utilisé aussi une autre organisation de collage, entre guillemets, en cercle, qui, quand j'y ai pensé, à mon avis, pose des difficultés un peu différentes de la situation sur la deuxième photo. Voilà. Et puis, en fait, à droite, sur votre écran, je me suis aussi demandé si d'emblée, je mettais un pot de crayon feutre et une feuille sur la table de l'enfant. Parce que forcément, la présence de ce matériel allait tout de suite l'inviter à l'utiliser. Ou si il fallait que je le mette en proximité, mais pas directement sur la table de l'enfant. Pareil, quand les boîtes d'allumettes sont collées sur les supports, est-ce que c'est intéressant ou pas que d'emblée, je pose ces boîtes d'allumettes sur une feuille A4 pour les inciter à faire quelque chose de la feuille et du crayon. Ça, c'est un peu les six situations que j'ai essayé d'imaginer. Et pour le coup, je n'ai pu expérimenter sur le temps que j'avais à ma disposition que les trois situations présentées sur les photos de gauche. En fait, l'enseignante de la classe dans laquelle j'allais, elle s'est surtout occupée, après que moi j'ai démarré sur ces trois situations, à les prolonger en introduisant feuilles et crayons volontairement et en essayant de faire réfléchir leurs élèves à quoi ça, ce que ça pourrait changer dans nos stratégies que d'utiliser des feuilles et des crayons. Donc moi, j'ai vraiment un regard assez pointu sur, je me répète un peu, les trois situations de gauche. Et sur les évolutions que vous voyez à droite, c'est plutôt ma collègue titulaire dans cette classe-là qui a fait des prolongements pour en fait faire évoluer les stratégies que nous avions déjà levées avec les élèves au départ. On continue sur la diapositive suivante. Alors, j'ai été, je dois vous dire, très surpris par la façon dont les élèves se sont accaparés cette situation-là. Ça a posé beaucoup plus de difficultés que je ne pensais. Alors, d'abord, je dois vous dire que lorsque j'ai commencé la première fois, le premier jour, à présenter la situation, j'ai choisi, pour leur expliquer la situation problème, de leur présenter la barquette que vous avez vue en photo, pleine de boîtes d'allumettes et pleine de morceaux de paille. Donc, j'avais 6-7 élèves autour de moi, j'avais ce matériel en double. Et mon idée, c'était que deux enfants allaient s'essayer pendant que moi, avec les autres, on allait observer et on allait parler ce qu'on voyait. Et on allait essayer de comprendre pourquoi le copain, il était en train de faire ça. À quoi ça servait qu'il fasse ça ou qu'il ne fasse pas à la place d'un autre choix, on peut dire comme ça. J'ai compris que ma façon de présenter le problème n'était pas très claire pour eux, tel que j'avais choisi de le faire.
Donc, quand je suis revenue le lendemain, j'ai décidé de changer ma façon de présenter la situation problème. J'ai utilisé deux boîtes distinctes. Dans une boîte, il y avait le matériel tel que j'allais leur donner avec le défi non réalisé. Donc, avec des mots adaptés, j'essayais de leur expliquer selon quels critères on estimerait que le défi était réalisé ou non. Et du coup, une fois que je leur avais expliqué ça, avec la deuxième boîte, je leur disais, bah, dans cette boîte, le défi a été réalisé et a été réussi. Donc, je vais vous montrer, en fait, ce que ça veut dire qu'un défi réalisé. Donc, on a ouvert les boîtes une à une et on a vraiment vérifié que dans chaque boîte, il y avait un morceau de paille et un seul. Et du coup, il m'a semblé que de leur montrer le matériel tel qu'ils allaient l'avoir au départ et puis ce que voulait dire matériellement un défi réalisé, ça les a aidés à comprendre le chemin à parcourir pour passer de l'étape initiale à ce résultat final. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça aidant et du coup, j'ai tendance depuis, quand je présente une situation problème de ce type-là, à mettre en balance situation initiale et résolution réussie. Voilà. Donc, premièrement, ça, c'est ma façon de… Je voulais vous dire que c'était tout à fait normal que de faire des ajustements quand on lance quelque chose et de voir qu'il y a un peu de résistance à la compréhension, qu'il fallait surtout s'autoriser à changer un peu de stratégie quand on y revenait le lendemain ou le surlendemain. Alors, les stratégies qui ont émergé étaient vraiment très diverses et différentes. Je dirais que la moitié des élèves, une petite moitié, a réussi rapidement à trouver une façon d'aller vers une résolution, même si elle n'était pas immédiate et faite du premier coup, alors que d'autres enfants ont besoin de plusieurs jours pour trouver une solution ou s'accaparer des stratégies qui avaient été trouvées par d'autres. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par la petite photo qui se trouve en haut à droite du document. Une petite fille, elle, qui décide de sortir toutes les boîtes d'allumettes du récipient en plastique. Donc, elle sort toutes les boîtes, elle les met sur la table de façon aléatoire et il lui reste dans cette boîte en plastique les morceaux de paille. Donc, pour le coup, cette petite fille, pour poursuivre, une fois qu'elle a sorti toutes les boîtes d'allumettes, elle prend aléatoirement une boîte sur la table, elle met une paille dedans et puis elle repose la boîte d'allumettes. Elle fait ça pour un certain nombre de boîtes pendant un certain temps. Et donc, moi, en l'observant avec d'autres enfants, on s'aperçoit assez vite que quand elle nous dit qu'elle a arrêté, enfin qu'elle a terminé, on s'aperçoit assez vite qu'il y a des boîtes où forcément il y a plus qu'une paille et des boîtes où il n'y a aucune paille. Voilà. Donc, on les ouvre. On ouvre les boîtes une fois qu'elle m'a dit qu'elle avait terminé. Et puis, bah, là, on constate que le défi n'est pas réussi parce qu'il n'y a aucun traitement de la mémoire des boîtes traitées et non traitées. Ensuite, il y a un petit garçon. Donc, c'est sur une photo qui se trouve en haut à gauche, qui, lui, a observé cette petite fille. Et lui, il n'a pas agi tout de suite. Donc, il a un peu plus de distance que cette petite fille qui, d'emblée, a démarré. Et lui, il a compris, là, en voyant sa copine, qu'il y avait un truc à faire de différent. Donc,
comme la petite louloute d'avant, il décide de sortir les boîtes vides. Et ces boîtes vides, lui, au lieu de les poser aléatoirement sur sa table, il les pose en ligne. Et donc, son idée à lui, c'est de commencer par une fois qu'il a aligné les boîtes, il a décidé de remplir en premier la boîte qui se trouve sur sa droite. Donc, il prend un petit bout de paille, il prend la boîte dans sa main, il met la paille dans sa boîte et il la remet à la même place, dans cet alignement. Voilà. Et donc, il traite les boîtes les unes après les autres. Il me dit, quand il a terminé, on ouvre les boîtes et du premier coup, il réussit le défi. Ah, il me dit, je vais recommencer. Ah oui, on recommence. Donc, il vide toutes ses boîtes d'allumettes, il enlève les morceaux de paille, il remet toutes les boîtes dans la boîte en plastique comme je lui avais proposé au départ. Il ressort toutes les boîtes, il les aligne à nouveau et il recommence de la même façon. Sauf qu'au bout de la quatrième ou cinquième boîte, donc il en est à peu près au milieu de son alignement, en fait, il se passe quelque chose dans la classe. Et puis, du coup, ça l'interpelle. Donc, il tourne sa tête. Il s'intéresse 15 secondes à un truc qui se passe dans la classe. Ça l'interrompt donc dans son processus de résolution. Et du coup, une fois que son attention est recentrée sur les boîtes d'allumettes, et là, il ne sait plus où il est arrivé. Et là, il est embêté. Donc, il se dit, on voit bien, il ne me dit rien du tout. Hein. Mais avec les copains autour, on se dit, on dirait que tu hésites, on dirait que tu ne sais plus, ou que tu te demandes quelque chose, ou tu t'interroges. Et donc, de façon aléatoire, il se dit, j'ai dû m'arrêter là, et malheureusement pour lui, il prend une boîte dans laquelle, bon, il ne le sait pas sur le moment, mais il prend une boîte dans laquelle il y avait déjà un morceau de paille. Et alors qu'il a procédé de la même façon que la première fois, il se trouve que quand on ouvre les boîtes, le défi n'est pas réussi. Ce petit loulou, il me dit « Non, mais moi, je veux recommencer. J'ai réussi une fois, je n'ai pas réussi là, je veux recommencer. » Et du coup, changement de stratégie. Il se dit « Mes boîtes, là, alignées, ça n'a pas marché. » Donc, il ressort les boîtes, et ça, c'est la petite photo que vous voyez dessous. Vous reconnaissez sa manche là, avec la petite bande jaune. Il se dit, je ne vais pas les aligner, je vais les mettre en paquet. Il pense que de mettre en paquet les boîtes, ça va l'aider à se rappeler de celles qu'il a traitées et celles qu'il n'a pas traitées. Et manque de bol, ça ne fonctionne pas. Et du coup, ce petit loulou-là, bon, il va s'arrêter au bout d'un moment, mais il va y revenir le lendemain, le surlendemain. Et ce petit loulou, vous le retrouvez sur une photo qui est en bas à droite. Et elle est floue, cette photo. Parce que on voit qu'il bouge son bras, en fait. Et c'est le premier à découvrir qu'en secouant une boîte, ça allait pouvoir nous donner des informations. Donc, il a tenu compte du fait que les emplacements de boîtes sur la table, ça avait des fois marché, des fois pas marché. Il essaye de rajouter à ces petits paquets-là une autre stratégie qui est de remuer la boîte pour avoir un indice sonore. Donc, les copains, ils sont médusés de le regarder secouer la boîte parce que c'est le premier à trouver cette idée-là. Et là, je leur dis, mais pourquoi, d'après vous, pourquoi il secoue la boîte? Et c'est parce qu'on interpelle les autres sur cette stratégie qu'on va leur permettre de découvrir l'intention qui se cache derrière cette nouvelle stratégie. Et les copains, ils me disent, comme ça, on sait s'il y a quelque chose dedans ou s'il n'y a rien. Et je peux vous dire qu'après, tous les autres, avant d'ouvrir les boîtes, pour vérifier si le défi était réussi ou pas, il les remue.
Donc, ils ont tous compris que ça avait un intérêt de secouer la boîte ou pas. C'est pour ça que la dernière fois, on s'était quitté, je crois, sur la question de est-ce que c'est grave si on copie ou si on ou pas. Et je disais que, enfin, je crois que je vous ai dit que copier, c'était hyper intéressant dès lors qu'on interrogeait un enfant sur pourquoi il pense que c'est important de faire pareil qu'un copain ou une copine. Et là, ils ont tous compris l'intérêt qu'on avait de secouer la boîte. Par contre, forcément, on est arrivé sur une situation où on a observé quelqu'un qui avait mis des allumettes dans les boîtes, à la fin qui avait secoué pour se rassurer sur le résultat de sa stratégie ou pas. Et manque de chance, il y a une... quand on a ouvert les boîtes, on était tous quasiment convaincus que, enfin, ils étaient tous convaincus que le défi allait être réussi. Et dans une boîte, il y avait deux morceaux de paille. Et là, on s'est dit, on est arrivé à la conclusion suivante, c'est que secouer une boîte, ça nous permettait à coup sûr de savoir s'il y avait quelque chose dans la boîte ou s'il n'y avait rien. Mais secouer la boîte, ça ne nous aidait pas forcément à savoir s'il y avait un ou deux morceaux de paille dedans. Donc, en fait, ce qui est super intéressant, enfin, moi, je trouve, hein, après, vous ferez votre propre opinion, c'est que de répéter une même situation problème en petits groupes d'enfants où tout le monde n'agit pas, mais où on réussit à concilier et à impliquer des enfants qui agissent, d'autres qui regardent et qui parlent avec nous de ce qu'on regarde, de ce qu'on observe, et ben de séance en séance, on arrive assez naturellement et facilement à garder la mémoire des stratégies qu'on utilise, de celles qui semblent marcher et de celles qui marchent partiellement et celles qui ne marchent pas du tout. Voilà. Bon. Et j'espère que je ne vous ai pas perdu, que c'est assez clair. Et puis, s'il n'y a pas trop de questions, on va passer à la diapo suivante. Mais on peut faire une pause ici, si vous voulez. Oups. J'ai rien d'autre, Olivier, que se passe-t-il, mince. Oh, c'est pas grave. C'est peut-être parce que tu as utilisé le diaporama précédent et pas le dernier que je t'ai envoyé. Non, ça, attends. Il est en ligne. Il est en ligne. Ah, allez, soulève-toi, petit toupard. Mon idée, c'est aussi peut-être de, tant que j'y pense, je le dis maintenant, ce qui m'a paru hyper important dans l'évolution de ma façon d'accompagner ces élèves, c'est que systématiquement, je me suis imposé une question que je leur adressais avant qu'ils vérifient si le défi était réussi ou pas. Alors, deux choses. Je trouve ça hyper intéressant que les situations problèmes puissent être autocorrectives par les élèves. C'est-à-dire que trouver c'est comme les jetons de couleurs, hein, que je vous ai présentés la dernière fois. Quand on ouvre la tirelire, rien qu'en regardant, les élèves, ils voient si le défi est réussi ou pas. Ce sont des situations qui sont limpides et, on va dire, transparente pour eux. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qui est réussi ou pas réussi. Donc, les boîtes d'allumettes, c'est pareil. Quand on les ouvre, on est tous d'accord pour dire réussi, pas réussi. Et puis après, on dit réussi partiellement. On peut dire, il y a beaucoup de boîtes où il n'y a qu'une seule, un seul morceau d'allumettes. Et puis, mince, il y a une ou deux boîtes où on s'est trompé. Allez, on recommence, on essaye de faire un peu mieux. Alors, mais pour moi, ça a été très dur de trouver des petites situations simples comme ça, parce qu'elles me paraissent simples matériellement à mettre en place,
qui soient simples et autocorrectives. Voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Je trouve que c'est génial et facilitant. Et puis, la deuxième chose, c'est cette fameuse question que je me suis imposée et à laquelle je n'avais pas pensé au départ. Donc, on regarde nos élèves agir, mais avant d'ouvrir le couvercle ou avant d'ouvrir les petites boîtes, en fait, je leur pose une dernière question. Je leur dis, est-ce que tu penses qu'on peut ouvrir les boîtes maintenant ou est-ce que tu veux encore faire quelque chose? Et cette simple question, elle leur offre un petit espace pour réfléchir et pour revenir un peu sur ce qu'ils ont fait. Et parfois, si je peux vous le, je vais vous présenter une autre situation problème juste après qui s'appelle les boîtes de couleurs. Et ça m'est arrivé un grand nombre de fois de voir les enfants revenir sur ce qu'ils venaient de faire et se dire « Ah non, 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 je crois que j'ai oublié quelque chose. » Alors, ils refaisaient quelque chose avant qu'on ouvre les boîtes ou qu'on vérifie que le défi était réussi ou pas réussi. Donc voilà, je vous invite à essayer ça, de leur offrir un petit moment avant de vérifier si le défi est réussi pour qu'ils puissent un petit peu rebalayer mentalement ou même avec des mots ce qu'ils ont fait et éventuellement le petit truc qui resterait à faire pour que ça soit réussi. Est-ce que Julie, c'est bon pour toi ou c'est… Oui, c'est bon. Est-ce que tu vois mon écran, Olivier? Non, j'ai le précédent qui est… Oh mince! Est-ce que les autres, vous voyez mon écran sur lequel j'ai remis le diamant? Non, c'est pareil. Je pense que c'est pareil qu'Olivier. Non, personne ne voit. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais… New share. OK. OK. Et est-ce que là, c'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Eh bien, on apprend tous les jours. Voilà. Avant de vous parler des boîtes de couleurs, sur une diapositive précédente, je vous ai montré aussi les possibilités de coller les boîtes d'allumettes sur un support en carton, en bois. Et c'est super intéressant pour vos élèves, une fois qu'ils se sont bien saisis de la situation problème de départ avec les boîtes d'allumettes qu'on peut déplacer, de leur reproposer en leur disant « Écoutez, c'est le même défi, mais j'ai changé une chose. C'est que vous n'allez plus pouvoir déplacer les boîtes. Donc, peut-être qu'il y a des stratégies ou des tactiques ou des idées qui ne vont plus pouvoir marcher. Allez, on essaye à nouveau, cette fois-ci avec des boîtes collées. Donc, c'est super intéressant parce que une fois que vos élèves ils ont bien en tête toutes les stratégies qu'on avait utilisées lorsque les boîtes étaient déplaçables, ils sont obligés de se dire « Waouh, parmi toutes ces stratégies-là, il y a des choses qu'on ne va plus pouvoir faire et on ne va plus pouvoir secouer les boîtes. » Ou alors, si on veut les secouer, on va devoir toutes les secouer en même temps en bougeant le plateau. Est-ce que ça va être intéressant ou pas intéressant? Donc, vous voyez, changer un petit paramètre dans le système de contraintes et le système de ressources va avoir des incidences absolument géniales pour les apprentissages et va… Et ces évolutions vont amener nos élèves forcément à faire évoluer leur stratégie. Et en règle générale, c'est pas très compliqué. Hein. On peut trouver des choses simples qui peuvent rajouter un petit peu de contraintes. Et du coup, bah, le crayon, peut-être que les enfants vont avoir… envie peut-être plus d'utiliser le crayon pour faire une marque si les boîtes sont collées que si elles sont déplaçables. Voilà. Donc, ça va avoir des incidences sur derrière aussi les outils utilisés et mis à leur disposition. Voilà.
Est-ce que c'est à peu près clair, et est-ce que je passe à une autre situation problème? Alors, je passe à une autre situation problème que j'ai trouvé. Tu peux remettre la photo des boîtes, excuse. Là, tu vas me spoiler la fin. Non, personne n'a rien vu. Tu sais, ça va vite. Je vais essayer d'aller vite parce que je vois que le temps file. Ça, moi, j'ai adoré faire ça avec mes élèves. Donc, les boîtes de couleurs, j'ai fait ça dans une classe de moyenne et grande section. Donc, j'ai fait ça avec des moyens, j'ai fait ça avec des grands. Et l'idée ici, la problématique, c'est toujours une problématique de comment conserver la mémoire d'une information. Donc, vous voyez, j'ai 4 boîtes de couleurs, vous les avez sous les yeux. Dans chacune de ces boîtes, j'ai mis 3 ou 4 objets. Enfin, j'ai mis des objets. Et l'idée, c'est que ces boîtes, elles vont rester ouvertes dans la classe pendant une journée. On n'a pas le droit d'enlever les objets des boîtes. On peut venir observer ce qu'il y a dans les boîtes, mais on n'a pas le droit de changer les objets de place. Le défi que je proposais à mes élèves, c'est de leur dire: aujourd'hui, je laisse les boîtes de couleurs ouvertes. Dedans, vous allez voir, j'ai mis des objets. Eh bien, demain matin, quand vous allez revenir, les boîtes, elles seront fermées. Et je vais vous poser un défi. C'est que demain matin, je vais vous demander, chacun, quels sont les objets qui sont dans ces boîtes de couleurs. Mais on n'aura pas le droit d'ouvrir les boîtes pour céder. Donc là, clairement, on a 12 à 16 objets au total. C'est impossible en moyenne et grande section, mais sauf exception, mémoire un peu phénoménale, de se rappeler juste cognitivement, mentalement, la place de chacun de ces objets. Donc, au départ, ils essayent ça. Mais en voyant le lendemain que ça ne fonctionne pas, bah, très vite, ils partent sur d'autres idées, et notamment l'idée de faire des dessins. Donc, donc je vous mets la liste des objets, par exemple. Donc, vous voyez 3 objets dans chaque boîte, ça fait 12 objets. Mais le hasard a fait, sans que j'y pense au départ, que j'ai mis plusieurs objets ronds. Et pour le coup, comme des petits trous de véhicules Lego, comme des billes, comme des pièces de monnaie, comme un élastique, une bague, un galet. Et en fait, alors que je n'y avais pas pensé au départ, le fait qu'il y ait plusieurs objets ronds, ça a eu une incidence très forte sur la qualité des dessins qu'ils ont essayé de faire pour résoudre le défi. Donc, sur la diapo suivante, s'il te plaît, Julie. Je vais aller très vite, mais j'ai volontairement remis le schéma de Philippe Mérieux pour vous montrer que pour toute situation problème, en fait, on peut revenir sur la tâche, l'objectif de l'enseignant, et qui est un objectif d'apprentissage pour l'élève. Et puis, pour éviter l'évitement cognitif de l'enfant, reproduire le système de contraintes et le système de ressources. Donc, mes élèves se sont aperçus que, sans garder trace des boîtes et des objets qui sont dedans, très vite, on n'allait pas y arriver. Donc, assez naturellement, ils se sont engouffrés vers l'idée de dessiner les choses. Donc, sur la diapo suivante, Julie, je vous ai illustré quelques exemples de dessins réalisés par ces enfants. Et donc, encore une fois, il y a eu un grand nombre d'échecs au départ, mais à force de répéter
et de discuter ensemble les uns avec les autres de comment on avait dessiné et est-ce que le dessin avait permis ou pas de résoudre le défi, bah, de jour en jour, sauf un ou deux enfants en très très grande difficulté, tous les enfants ont réussi par discussion et tâtonnement successif à résoudre ce défi de mise en mémoire. Donc, vous voyez par exemple un premier dessin en haut à gauche. En fait, il y a eu pas mal d'échecs au départ parce que les dessins étaient trop imprécis et ils avaient du mal à représenter suffisamment précisément les objets qui étaient dans les boîtes. Donc, soit ils avaient oublié de dessiner certains objets, soit, comme il y avait plusieurs objets ronds, eux, ils avaient fait pour la bille, ils avaient fait un rond, pour la pièce, ils avaient fait un rond, pour l'élastique, ils avaient fait un rond. Et en fait, ces ronds qui étaient finalement trop abstraits, pas assez figuratifs, ils ont inversé quand ils ont voulu me restituer les objets qui étaient présents dans une boîte, ben, ils ont dit bille à la place de roue ou de pièce. Et ça, c'était hyper intéressant parce que très vite, ils ont compris qu'ils avaient confondu la pièce de monnaie et la bille. Donc, ils ont tout de suite voulu recommencer. Et du coup, sur la pièce de monnaie, eh ben, ils ont écrit un chiffre pour différencier de la bille. Et puis, la bille, ils l'ont coloriée pour la différencier du rond de l'élastique. Donc, très vite, ils rebondissent et ils comprennent ce qu'il faut ajuster ou non sur leur dessin. Voilà. Ensuite, vous avez, si on descend tout en bas de la feuille, vous avez des dessins qui n'ont pas réussi à répondre au défi. Par exemple, le dessin qui se trouve en bas à gauche, c'est un enfant qui a dessiné tous les objets, mais il a oublié de les attribuer à une boîte. Donc lui, il a centré, il s'est bien dit, il faut que je pense à tous les objets, il faut que je pense à tous les objets, donc je vais essayer de tous les dessiner. Mais malheureusement, en première intention, il ne s'est pas dit, ah oui, mais en même temps, il faut que je dessine tous les objets, mais en même temps, il faut que je pense à les attribuer à une boîte de couleurs. Donc lui, le lendemain matin, il est allé chercher son dessin, et il a pris son dessin, et là, quand il m'a dit, bah, dans la boîte rose, il y a… Et là, il s'est aperçu qu'il manquait une information absolument essentielle sur son dessin. Et il a pas eu, il m'a dit, non, mais là, c'est bon, je ne vais pas y arriver, il faut que je recommence mon dessin. Bon. Après, en fait, sur le dessin d'à côté, donc qui se trouve en bas au milieu, vous voyez un enfant qui a dessiné, en fait… un objet dans la mauvaise boîte. Pour le coup, eh bien, on voit une flèche en noir. Et quand il m'a… Là, c'était une fleur qui était dans une des boîtes. Quand il s'est aperçu qu'il s'était trompé, il m'a tout de suite demandé un crayon. Il a pris son crayon et lui, il a compris à quoi pouvait servir une flèche. Donc, il a dessiné une flèche pour dire « Oh là là, cette fleur, elle est dans la boîte bleue en fait, elle n'est pas dans la boîte rose. Voilà. » Et puis, il y a des enfants, en fait, qui ont par exemple voulu dessiner des boîtes, mais manque de chance, toujours sur ce même dessin, vous voyez qu'il y a deux boîtes qui sont de la même couleur. Donc, en faisant son dessin, au lieu par exemple de faire une boîte rose et une boîte rouge, malheureusement pour lui, il a fait deux boîtes roses. Donc, il s'est aussi aperçu de son erreur. Et puis, en haut à droite, vous voyez des exemples de dessins qui ont fonctionné quasiment du premier coup, mais pour une minorité d'élèves. Hein. Je ne veux surtout pas que vous restiez avec l'idée que pour tous les élèves, pour une grande majorité des élèves, c'était des dessins pertinents. Je voulais juste vous dire que sur ces deux dessins-là, qui sont donc en haut à droite, le fait de poser ma question, est-ce que, avant que je ferme les boîtes,
et que tu ranges ton dessin pour demain, tu as encore envie de faire quelque chose. Eh bien, en fait, j'ai vu, notamment pour ces deux enfants-là, eux, ça leur a évité, ils ont repéré que les objets ronds, ils ne les avaient pas bien dessinés. Donc, mentalement, ils se sont projetés au lendemain matin et ils ont regardé leurs feuilles, ils se sont dit, alors, là, dans ma boîte jaune, oh là, je vois un rond là. Mais c'est quoi déjà ce rond? Donc, ils sont allés voir dans la boîte jaune qui était encore ouverte. Donc, ils se sont dit, ah ouais, ce rond-là, c'est la bille. Comment je vais me faire? Là, je ne me rappelais plus que ce rond, c'était une bille. Comment je vais faire demain matin pour m'en rappeler? Donc, cette petite question de est-ce que tu as encore un truc à faire avant qu'on arrête, ça permet vraiment à certains enfants déjà de se projeter sur l'après vérification de la réussite du défi ou pas. Voilà. Alors, juste pour vous dire que sous la main, forcément, j'ai d'autres idées. Hein. Là, je vous ai présenté trois activités, les jetons de couleurs, les boîtes d'allumettes, les boîtes de couleurs, mais sachez qu'on peut trouver d'autres situations matériellement qui sont hyper simples à mettre en œuvre. Et enfin, je voudrais vraiment, parce que je vois des fois une grosse pression des éditeurs, de manuels, des fabricants de jeux. Moi, vraiment, mon truc, c'est que le plus possible, j'ai bidouillé pour me passer ou pour être dans une forme de dépendance à du matériel commercialisé. Et j'espère que en fait, ces trois situations, elles vous donneront envie, d'une part, de vous régaler pour réfléchir avec vos élèves à comment on fait, quelles idées on peut trouver, et de ne pas tout de suite les enfermer sur une voie de résolution. Et puis, d'autre part, le fait de ne plus dépendre de matériel du commerce, ça nous permet quasiment instantanément, dès qu'on voit une situation problème, de se dire « mais dans une semaine, je suis capable de la mettre en place, quoi, avec zéro financement. » Donc, voilà, j'espère vraiment que vous allez avoir envie de prendre du plaisir au retour de vos élèves dans vos classes dans quelques semaines ou dans quelques mois, selon vos situations. Et puis, je ne sais pas, au cours de l'année prochaine, on pourra, si vous en avez envie, si vous en formulez le désir à Julie et Dominique, reprendre du temps pour d'autres types de situations, problèmes aussi simples que celles-ci à mettre en place. Merci Olivier, mille fois. Des lumières encore, oui, on a envie, oui, on se lance. Même avec les petits qu'on a autour. Quand on t'entend, on ne peut pas s'empêcher d'essayer. Alors, il y a deux questions, les deux dernières, parce que il y a quelqu'un qui est intervenu dans la boîte de chat à plusieurs reprises. Tu les acceptes, oui? C'est bon? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, j'ai du temps. Donc, Laurence a posé plusieurs questions. Alors, si je me souviens bien, la première question, c'est la question du rapport à l'écrit. Elle l'a déjà posée pour la boîte d'allumettes et tu lui as répondu partiellement. Elle demandait si les enfants avaient le droit en fait de positionner des éléments, d'écrire sur la boîte d'allumettes. Et là, elle revient avec le même type de question sur le recours à l'écrit pour ce jeu de boîte de couleurs, en disant jamais de recours à l'écrit, initial du mot par exemple, ou première lettre. Bien sûr. Alors là, je dis toujours ça dès qu'il y a une question, mais cette question elle est hyper intéressante parce que vous voyez bien que en moyenne section, on n'est pas encore bien outillé pour autour de la découverte du principe alphabétique. Donc massivement, on va partir sur le dessin ou sur le symbole. Mais évidemment, ça va être une étape supplémentaire. Par exemple, imaginez au CP ou en fin de grande section, si on a des élèves qui sont déjà capables de coder la première syllabe du mot ou le premier son d'un mot. C'est hyper intéressant d'accueillir en fait cette nouvelle stratégie qui va peut-être être apportée par un des élèves de la classe et de faire découvrir aux autres qu'au lieu de faire un dessin,
Et ben peut-être qu'une lettre va nous permettre de nous rappeler que c'est tel objet dans telle boîte. Donc, on pourrait avoir des boîtes de dessinées et à l'intérieur des boîtes, peut-être des lettres pour tenter de se rappeler des objets. Et peut-être qu'on peut avoir un mixte, c'est-à-dire se dire, bah là, on ne sait pas encore quoi, bille. Bon, le i, je sais, le i, je sais. Mais bille, il y a un truc avant le i qui n'est pas simple. Bon, la bille, je la dessine. Mais par contre, il y a peut-être, y a peut-être un autre objet. La première syllabe, c'est aussi la syllabe du prénom d'un copain ou d'une copine dans la classe. Et bingo, on se dit là, je peux faire quelque chose. Donc, évidemment, en fait, le dessin, c'est une première étape dans la représentation symbolique, même si elle reste très figurative. Mais du coup, c'est super intéressant derrière d'aller vers peut-être le symbole, le pictogramme, ou de trouver des jeux. C'est-à-dire, c'est un enfant qui va mettre les objets dans une boîte, par exemple, qui va proposer la situation à notre enfant. Soit on se dit on fait des jeux d'étiquettes, de pictogrammes ou peut-être de mots. Et du coup, le seul système de ressources qu'on a pour résoudre le problème, c'est des boîtes déjà pleines. On n'a plus le droit de dessiner, mais par contre, peut-être qu'on a des syllabes, peut-être qu'on a des lettres ou peut-être qu'on a des pictogrammes. Mais effectivement, par rapport à cette question, il faut penser à faire évoluer le système de ressources et le système de contraintes. Et peut-être qu'en grande section, mais c'est sûr au CP, eh ben, on interdira peut-être le dessin. Il faut trouver une autre idée que le dessin. Voilà. Pour revenir aux boîtes d'allumettes, vous savez, quand elles sont toutes collées en cercle, eh ben, quand la collègue a donné des feuilles et des crayons, les enfants, ils ont trouvé l'idée de numéroter sur la feuille les boîtes d'allumettes. Donc, ils ont écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, parce qu'ils se sont aperçus que sans rien noter, en règle générale, ils ne se rappelaient plus de la boîte d'allumettes qu'ils avaient commencé à traiter. Donc souvent, ils mettaient un bout de paille dans une première boîte d'allumettes et puis ils avançaient comme ça sur le cercle. Mais à la fin du traitement, très, très, très souvent, ils faisaient tous la même erreur que de continuer à traiter un peu plus loin que là où on avait commencé. Donc, ils ont eu l'idée de numéroter les boîtes. Voilà. Donc, on peut, dans chacune de ces situations problèmes, progressivement introduire les symboles que sont les chiffres, enfin les nombres et les lettres. Merci. Je suis loin pour répondre. Non. Et j'ai envie de dire, on a besoin de prendre le temps aussi, le temps de comprendre, de digérer et de voir ce qu'on peut faire. Sarah nous dit, si vous aviez quelques règles d'or pour ancrer soi-même des situations problèmes, à faire d'être sûr que c'en est bien une parfois, en fonction d'un travail, un projet, cela peut être intéressant de contextualiser cette situation. Allez, la règle d'or d'Olivier Roussel sur comment on est sûr qu'on est bien dans une situation problème. Bah, c'est difficile d'en sortir une. Hein. Et puis, ça ne va pas être la mienne, ça va plutôt être celle de Philippe Mérieux. Moi, vraiment, je pense que le petit schéma que je vous ai présenté, pour moi, c'est hyper aidant. Ce que j'y vise, moi, et du coup, quelles ressources je donne à mes élèves et quelles contraintes je leur donne. Ça me semble être essentiel. Et il y a un truc qui est hyper important pour des jeunes enfants, c'est que les situations problèmes soient autocorrectives. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un certain nombre d'actions, on est capable tous ensemble de regarder, en ouvrant des boîtes, par exemple, de regarder les effets immédiats des stratégies qu'on a mises en place. Ça, c'est... Ça me semble fondamental. Et puis, je rajoute une autre. C'est d'emblée de dire qu'une situation problème, c'est… là, je vais reprendre Devecki qui dit « Une situation problème, c'est un chemin à inventer. » Voilà. Ça sera autre chose que de s'entraîner plus tard. Ça sera hyper intéressant de dire à nos élèves « Écoutez,
y a tel copain, telle copine qui a trouvé cette idée-là. Est-ce que tous, on pourrait l'essayer? Et ça, c'est s'exercer. Ça veut dire reprendre un chemin qui a été ouvert par l'un de nous. Voilà. Mais voilà, une situation problème, pour moi, ce n'est pas tout de suite une façon et une seule d'aller vers la résolution.